Salut tout le monde, c'est Badban et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti. Aujourd'hui, nous parlerons de New Justice tome 2 Terre Noyée, Green Lantern tome 5 au Crépuscule des Gardiens, Multiversity de Grant Morrison, et nous finirons par Mister Miracle. Commençons par New Justice tome 2 Terre Noyée. Alors c'est scénarisé par Scott Snyder, James Tynion IV et Dan Abnett. Et c'est dessiné principalement par Francis Manapul, Howard Porter et bien d'autres. Au sortir du combat entre la Légion Fatale et la nouvelle Ligue de Justice, une armada venue des étoiles met le cap sur la Terre en vue de conquérir ses océans. Mais même les pouvoirs combinés de Superman, de Wonder Woman, de Batman et d'Aquaman ne font pas le poids face à ces envahisseurs. Ayant épuisé toutes leurs ressources, la Ligue et Aquaman décident de faire appel à une force ancienne que jusqu'ici, Arthur craignait de relâcher. New Justice, donc la nouvelle saga des Justice League par Scott Snyder, et bah jusqu'à présent je trouve ça vraiment bon. J'avais beaucoup entendu parler de cet event de Terre Noyée, Drowned Earth, en anglais, et enfin, j'ai pas vu beaucoup d'avis au final dessus, même si je l'ai vu beaucoup passer. Mais voilà, comme tout crossover, quand même les gens ont été assez mitigés. J'ai adoré ce tome, j'ai trouvé ça vraiment excellent, et mettre Arthur Curry, donc Aquaman, au centre du récit pour un récit de Justice League, bah, je trouve ça vraiment excellent. Il y a vraiment de la force cosmique avec du Aquaman, je pensais vraiment pas voir ça un jour, vraiment, et voilà, ça fonctionne super bien. Les dessins sont magnifiques de Francis Manapul et de Howard Porter, avec une petite image de Batman que j'ai beaucoup aimé. Et bon, le speech en soi est assez simple, mais le traitement peut paraître assez complexe, ou du moins assez poussé pour ce qu'il en est. Mais voilà, moi je trouve ça plutôt cool, j'ai pas du tout été perdu dans le récit. C'est vraiment bien amené et ça fait plaisir. Encore une fois, c'est du grand blockbuster, mais ça fonctionne parfaitement. Et bah, franchement, après toute la saga de Justice League qu'on s'est tapé en Rebirth avant, voilà, moi je trouve quand même qu'on est sur un niveau au-dessus, même si le dernier tome, le tome 6 de Justice League, était vraiment bien pour ma part. Donc voilà, je vous conseille quand même la saga New Justice, même si pour l'instant, voilà, on n'est que sur deux tomes et un tome 0. Donc, on ne sait pas encore vraiment si ça va être bien tout du long, mais pour l'instant j'ai trouvé ces deux tomes vraiment géniaux et très agréables à lire, et ben ça fait super plaisir. Continuons sur Green Lantern Rebirth tome 5 au Crépuscule des Gardiens. C'est scénarisé par Robert Venditti et dessiné par Patrick Zircher, Zach Herbert, Rosé Lewis, Rafa Sandoval, Ethan Van Sciver et Brandon Peterson. Si le Green Lantern Hal Jordan est responsable du secteur 2814, il n'en est pas moins attaché à la Terre. Mais quand celle-ci est menacée, il n'hésite pas à y retourner. Mais il ignore qu'un redoutable ennemi y est tapis dans l'ombre, prêt à en découdre. L'aide d'un de ses plus vieux amis, l'homme d'acier, ne sera pas de trop, car il aura bien besoin de la puissance d'un Kryptonien pour faire face aux dangers qui l'attendent. Green Lantern Rebirth est vraiment une super saga, ça fait super plaisir. Franchement, les dessins en plus sont magnifiques. Et ici, on a un récit qui est, je dirais, découpé en trois parties. Première partie, plutôt sympa, avec un méchant que j'ai vraiment pas l'habitude de voir. Je l'ai vraiment pas souvent vu ni exploité. Et bon, ça fait toujours plaisir de voir des ennemis qu'on n'a pas, sur lesquels on n'est pas vraiment habitué. Voilà, c'était plutôt intéressant. La deuxième partie était vraiment cool. Là, c'est la partie avec les gardiens. Voilà, sans spoiler, hein, mais c'est, par rapport au titre, c'est vraiment la partie avec les gardiens. Donc, il y a une histoire avec eux qui est sympathique. Franchement, c'est plutôt cool. Après, bon, voilà, je dirais pas que c'était fou, quoi. C'était sympa. Mais bon, voilà, l'histoire avec les gardiens, ils partent, ils viennent. Je trouve que des fois, c'est un peu redondant à ce niveau-là. Mais bon, on va bien voir ce qu'ils vont faire par la suite avec ça. Et la dernière partie est, comme on peut le voir sur la couverture, avec Zod. Et j'ai trouvé cette partie excellente, avec vraiment beaucoup d'action, avec des dessins absolument magnifiques, qui rendent vraiment justice au scénario. Et franchement, on prend plein les mirettes. Oui, j'ai utilisé cette expression, qu'est-ce que vous allez faire? Et voilà, c'est super beau. J'ai beaucoup aimé, c'est...
Il y a vraiment de l'action, il y a du rythme, et voilà, encore une fois, ça fait super plaisir. Je ne suis vraiment pas déçu de cette saga depuis le début, elle est excellente. Si vous aimez Green Lantern, franchement, et que vous n'avez pas lu les Rebirth, allez-y, les yeux fermés, je vous le conseille à 100%. Continuons sur Multiversity, scénarisé par Grant Morrison, et dessiné là par contre par vraiment beaucoup de gens. Voilà, c'est un récit qui comporte quand même pas mal d'artistes et des bons. Ça fait plaisir. Le multivers est composé de 52 terres parallèles, chacune défendue par ses propres super-héros. Mais quand la noblesse, une race surpuissante de créatures interdimensionnelles, décide de s'en prendre à l'intégralité de cette dimension, les justiciers des différentes terres vont devoir apprendre à agir de concert. Et leur seule arme pour communiquer entre eux se révèle être les comic books. Alors, Multiversity, je dirais que ça a fait couler beaucoup d'encre ce récit. Déjà, j'ai l'impression que quand il y a Grant Morrison, ça fait forcément couler de l'encre, car c'est un artiste qui est reconnu certes, mais très mitigé au niveau des avis. D'autres pensent qu'il en fait trop, et d'autres aiment bien. Hein. Voilà, c'est les avis généraux. Hein. J'aime bien Grant Morrison. Jusqu'à présent, j'ai aimé tout ce que j'ai lu de lui, sans toujours avoir été transcendé, mais j'aime énormément ce qu'il fait. Il faut aussi comprendre que Grant Morrison part souvent dans l'aspect méta des choses, et des fois un peu trop, ce qui fait que ce récit est extrêmement méta. Vraiment, ça part dans tous les sens. Il est un peu compliqué de se mettre dans le récit au départ, enfin du moins j'ai trouvé qu'au départ c'est assez difficile, car chaque chapitre est donc d'un monde différent, et il n'est pas toujours évident de passer de l'un à l'autre vraiment comme ça, d'un chapitre à un autre. C'est un peu compliqué, mais on s'y fait, et franchement c'était vraiment sympa. Alors par contre c'est assez dur de suivre tout le récit, c'est quand même un bon pavé. Voilà, je pense que c'est un récit qui mériterait quelques relectures pour vraiment s'apprécier dans la globalité, car il y a vraiment un suivi avec le fameux comic book qu'il y a dans le livre. Et voilà, c'est vraiment ça l'aspect méta du truc, quoi. Mais voilà, après, au niveau des dessins, il y en a un paquet. Il y a des très très bons dessinateurs dedans. Il y a du Jim Lee, il y a du Quickly, du Ben Oliver. Alors là, en plus, le chapitre avec Ben Oliver. Ça, celui-là, je pense que c'est un de mes préférés, avec une des meilleures covers que j'ai jamais vues dans le monde des comics. Enfin voilà, c'est compliqué de parler de Multiversity, et là, je ne saurais vraiment pas vous dire si je vous le conseille ou pas. Le truc qu'il apporte, par contre, c'est qu'il peut apporter, notamment, je pense, aux néophytes de l'univers de DC Comics. Il y a une carte du multivers et de chaque univers où il nous présente un peu, sur une fiche, dans quel univers appartient tel héros, etc. Et ça, je trouvais ça vraiment cool. Après, ce sont des documents qu'on retrouve facilement sur Internet, donc voilà. Pas besoin non plus d'acheter Multiversity pour connaître le multivers de DC. Je trouve quand même qu'il est bien exploité, le multivers, et notamment l'aspect méta de Grant Morrison. Mais voilà, je ne saurais vraiment pas vous dire si je vous le conseille ou pas, mais pour ma part, ça a été une très bonne lecture. Finissons sur Mr. Miracle, scénarisé par Tom King et dessiné par Mitch Gerad. Élevé sur Apocalypse, planète usine sous le règne de l'implacable Darkseid, Scott Free réussit l'impensable, échapper à ses geôliers pour rejoindre la Terre où il rencontra son mentor, un artiste de l'évasion, officiant sous l'alias de Mr. Miracle, dont il prendra l'identité. Depuis, aucun barreau, aucune entrave, aucune prison ne put retenir prisonnier Mr. Miracle, symbole d'une liberté retrouvée. Mais que se passe-t-il lorsque l'artiste de l'évasion ultime se trouve aux prises avec une nouvelle forme de captivité, la dépression ? Mr. Miracle, ou le récit intimiste d'un héros DC Comics. Alors là, on touche vraiment au chef-d'œuvre pour ma part. Je trouve que c'est vraiment un gros, gros coup de cœur. C'est un récit qui est vraiment complètement différent de tout ce qu'on peut voir dans l'univers DC, qui parle vraiment de choses très sérieuses, telles que la dépression, devenir père, ce genre de choses qui sont extrêmement bien traitées dans ce récit. Et franchement, ben waouh. En plus, les dessins de Mitch Gerad sont excellents, ça va parfaitement bien avec l'univers, avec ses glitches qui retranscrivent
bien en fait l'état émotionnel du personnage. Il est difficile de vous faire vraiment un condensé de ce qu'il y a dans ce tome, tellement il y a énormément d'informations, de sujets traités, mais franchement c'est une expérience à part entière qui vaut vraiment, vraiment le détour. Et je pense que c'est un récit qui ne laisse pas du tout indemne. N'importe qui peut le lire en plus. Je trouve que personnellement, je n'ai pas une grande connaissance des New Gods. J'ai quand même quelques connaissances, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Et j'ai pourtant réussi à comprendre le récit, à l'apprécier à sa juste valeur. Et vraiment, chapeau. Du coup, je pense quand même qu'il est accessible à la majorité des lecteurs. Alors, vraiment, si vous connaissez bien l'univers des New Gods, je pense que là, au niveau référence, etc., vous êtes servi. Donc voilà, je ne peux vous conseiller qu'à 1000% ce récit, qui est vraiment magnifique, qui a d'ailleurs gagné plusieurs Eisner Awards, et c'est pas rien, et il le mérite amplement. Donc voilà, je suis vraiment content qu'Urban nous l'ait sorti dans une très belle édition en plus, comme un peu tous les livres d'Urban quand même. Mais voilà, ça fait super plaisir et franchement, lisez-le quoi. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lequel je suis quand même assez actif, et sur lequel je fais des petits montages sympathiques, notamment sur Mister Miracle, où je me suis bien amusé à faire quand même. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.